c'est chacun pour soi. Même pourquoi la justice, ça n'existe pas. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Ici, c'est la loi de la jeune, la vie c'est comme ça. C'est chacun pour soi. Même pourquoi la justice, ça n'existe pas. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Écoute ça, je te présente Adam, un kid de 16 ans, un adolescent tranquille. Il restait près de la rue Saint-Jean. Il passait son temps avec son meilleur ami Christian. Mais malheureusement, manquait l'école assez souvent. Les parents divorcés, ils ont rien vu aller. Trop occupés à s'engueuler, fait que ses notes ont dégringolé. Et quand la fin de l'année est enfin arrivée, Adam a coulé un an de perdu à recommencer. De son côté, Christian devait déménager, accepter au cégep, il part à Montréal pour étudier. Adam est seul, et ce, même quand il est bien entouré de plein de gens, y'a personne à qui se confier. Mais plus les jours ont passé, plus il s'est renfermé. Sans même remarquer, il s'est mis à boire et consommer. Sa mère vivait sur le seuil de la pauvreté. Elle s'est fait retirer la garde chez son père, il est allé. Mais son père c'était un ivrogne, Adam le détestait. Et quand il était sous, fallait qu'il cogne, Adam se sauvait. Et passait quelques jours dans les rues parfois. La nuit c'est froid, seul espoir, une bouteille de vodka. L'ennui c'est qu'il sait pas quoi faire de sa vie. Sans cocaïne dans son nez, il a jamais confiance en lui. Les dettes se sont accumulées, désespérées. Dans le fleuve on l'a retrouvé assassiné ou suicidé. Qui sait. C'est la loi de la jeune, la vie c'est comme ça. C'est chacun pour soi, même pourquoi. La justice, ça n'existe pas. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Ici, c'est la loi de la jeune, la vie c'est comme ça. C'est chacun pour soi, même pourquoi. La justice, ça n'existe pas. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Maintenant, laisse-moi te parler d'une fille. Elle s'appelait M, cheveux blonds, beaux yeux. C'est grande, elle était belle tellement que jusqu'à 12 ans, son père abusait d'elle et lui a volé son enfant. La cicatrice est éternelle dès la maternelle, mauvaise relation avec les garçons. Et puis au secondaire, elle a la pire des réputations. Les autres filles la rejettent et chaque jour lui crient des noms. Les garçons profitent de la situation. C'est à coup de fellation qu'elle achète leur amitié. Plus elle a de compagnons et plus elle se sent acceptée. Assez, c'est assez, un jour elle s'est réveillée. Elle leur fait ses bagages et son village elle a quitté. 18 ans, débarque à Montréal. Elle a besoin d'argent, ça fait qu'elle danse pour les clients du bar. C'est payant, mais pas assez. Après un temps, elle s'est ramassée dans le journal, dans la section des annonces classées. C'est pathétique, mais pire encore, check la suite. Elle est enceinte d'un client, fait qu'elle va à la clinique. Malgré sa peur de l'avortement, elle reste positive. Mais elle apprend qu'elle est séropositive. Y'a des histoires comme ça qui arrivent près de chez toi. Pour toi, c'est pas trop tard. Fais quoi? Ici, c'est la loi de la jeune.